Salut, c'est Catherine Crête, nouvelle chanteuse québécoise. Je suis née à Montréal. J'habite présentement à Lanaudière depuis l'âge de 14 ans. Je suis une personne qui est vraiment attirée par le monde artistique. Depuis que j'ai 4 ans, à l'âge de 4 ans, excusez-moi, jusqu'à 14 ans, j'ai fait du patinage artistique à Montréal. Quand j'ai déménagé à Lanaudière, c'est un boom pour la musique qui m'est apparu comme passion, comme amour. Le chant, la guitare, présentement, j'exploite beaucoup mon côté, le côté chant de ma carrière. Ça fait depuis justement l'âge de 15 ans que je prends des cours de chant aussi, toujours à Lanaudière. Quand je suis arrivée à Lanaudière, c'est sûr qu'il y a eu, l'idée de trouver un nouveau passe-temps, changer de la ville à la campagne. Mon passe-temps, c'était la musique. J'ai commencé mes cours de chant avec Annick Saint-Jean. Avec elle, ça a vraiment été vraiment rapide. J'ai fait des concours dans ma région. C'est sûr que ça a porté fruit. C'est d'être sur une scène, c'est quelque chose qui vraiment vient me chercher. Ça me donne vraiment beaucoup de drive dans tout ce que je fais. C'est devenu presque une drogue, je vous dirais, d'être sur scène. Donc, c'est sûr que j'ai participé à plein de concours. J'essayais de sortir de la ville. Je suis retournée à Montréal. J'ai fait des concours de chant pour aller chanter sur la scène du Saint-Denis. Deux fois, je l'ai fait. C'est des choses qui m'ont fait grandir, qui ont fait qu'un jour, je me suis réveillée et j'ai dit plus tard, dans ma vie d'adulte, c'est ça que je veux faire. Ça va être mon métier. Je veux bûcher pour être devant le grand public. L'expérience que j'ai trouvée aussi dans les concours de chant, ce qu'on pouvait gagner, les prix, c'était souvent soit faire la première partie de certains artistes ou souvent c'était des prix en argent, mais moi, ce que je préférais vraiment beaucoup, c'est quand on me donnait l'opportunité de faire encore plus de scènes. J'ai eu la chance de participer à un spectacle sur la même scène que K1, le Colocas, Martin. Après ça, j'ai eu la première partie d'André Waters que j'ai faite au Festival Masquinongé. J'ai eu la chance aussi de la rencontrer avant ma performance. C'est sûr que là, ça a donné une espèce de petite intimité avec une artiste déjà établie, ce qui a encore plus confirmé ce que je voulais faire. J'ai grandi beaucoup en faisant des premières parties comme ça, de faire des spectacles sans juge, vraiment offrir à un public. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire aussi des spectacles solo ici, là, à l'Assomption. J'en ai fait dans le Vieux-Montréal aussi. C'est de monter mon propre show avec le monde qui m'entoure. C'était d'avoir le choix aussi de faire n'importe quelle chanson. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de me construire, de me rallier avec une équipe qui est vraiment formidable. J'ai un producteur et réalisateur. Puis c'est sûr que quand on fait un album, il faut qu'on choisisse nos chansons. C'est quelque chose que j'adore faire, de lire les textes, de parler avec les auteurs, savoir l'histoire qu'il y a derrière les chansons. Ça me permet beaucoup de donner une personnalité à mon métier. C'est sûr que quand on reprend les chansons d'artistes connus, quand on est plus jeune, ça nous aide à connaître quel style on va aller chercher, quels mots on aime plus que d'autres, les histoires qui viennent vraiment nous prendre. J'ai eu des collaborations avec Sandrine Roy, avec Marc Dupré. C'est toutes ces personnes-là qui ont des textes importants, qui ont des idéaux dans le fond, qui ont mis ça sur une chanson, mais j'ai la chance de pouvoir les interpréter. La musique, c'est un métier depuis la nuit des temps. Par contre, dans mon cheminement, même quand j'étais plus jeune au secondaire, quand j'exprimais le désir de vouloir faire la musique comme carrière, il y a souvent qui essayaient de freiner cette ardeur-là, que c'est pas un bon métier, c'est pas stable ou quoi que ce soit. J'ai eu à faire face à des critiques comme ça tout au long de ma vie. C'est sûr que là, je suis pas dans le showbiz à vraiment, vraiment rentrer interne. C'est sûr que la critique, j'ai toujours pris par mes juges, dans les concours, par mes professeurs. C'est toujours constructif. Il y a toujours une partie constructive. Tu peux toujours virer une critique. J'ai pas peur de la critique justement parce que ça fait grandir l'artiste, ça me fait grandir, peu importe sa nature, il y a toujours un moment où tu vas regarder cette critique-là puis tu vas dire ben je vais la prendre, je vais toute la chiffonner puis je vais faire quelque chose de bon avec ça. Au niveau de l'identité musicale,
c'est quelque chose qui est quand même difficile à gager chez une personne parce qu'il faut qu'il y ait une équipe aussi en arrière qui travaille pour trouver des concepts, pour trouver le concept qui va créer le style de cette personne-là, créer la nouvelle personnalité, la nouvelle artiste. Mon équipe et moi-même, on a été influencés aussi par, par des sons british, très britanniques, du pop, mais avec des touches électro. C'est sûr qu'au Québec, on aime le rock, fait qu'on a voulu faire tout un mélange de ça, puis on a vraiment créé une identité qui est suivie d'un slogan qui écoute son rock power pop. Le son rock power pop, c'est quelque chose qui vraiment englobe tout ce qui a été influencé au niveau de ma vie, de ma carrière, le rock au Québec, le son britannique. Puis c'est sûr que le pop, on aime ça. Fait que c'est sûr que c'est ce qui fait le gros cœur de l'album. C'est vraiment le style, l'identité musicale.